Elected members of parliament have expressed worries over the destruction of people's houses, properties and institutions by the Cameroon government at a time when the population is passing through poverty and hardship. Le 26 juin 2021, à l'aube, des populations occupant plusieurs hectares du quartier Newton, aéroport à Douala, ont été réveillées par des bulldozers qui, sans ménagement et dans une brutalité rare, étaient en train de les déguerpir. The parliamentarians are questioning the reason why the Minister of State Property and Land Tenure have to talk of legal, socio-economic and political aspects of land reorganizations in Cameroon when demolition exercise is carried out without respecting the constitution. Justement, l'article 5 de cette loi de 80 dit effectivement qu'il faut adresser une mise en demeure et que c'est au bout de cette mise en demeure que le préfet, sur ordre de celui qui souhaite le déguerpissement, celui entendait la personne morale publique, peut donc procéder au déguerpissement et aux démolitions. Mais le petit détail qu'il y a dans cet article 5 dit que la mise en demeure doit être donnée 30 jours avant. The giving out of lands, of selling out of lands to Cameroonians, must be under serious verification and defined status by the state, so that the government in future will not come and tell people that such lands belongs to the state.